Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller tester ce Freezer Revive. Alors pour l'instant, il est seulement 3 étoiles, comme vous le savez, j'ai payé 2000 cristaux pour le monter à 6 étoiles. Mais voilà, je vais faire les défis petit à petit, j'avais envie de voir un petit peu la différence de ce Freezer à 3 étoiles. Voir ce que ça donne en PVP actuellement avec la méta purple, etc. Et qui est vraiment bien étoilé, voir seulement à 3 étoiles ce qu'il donne. Et ensuite, on pourra analyser ça sans doute demain ou en live ou quoi à 6 étoiles. Voilà, je vais faire un petit peu la comparaison, voir un petit peu ce que ça donne et si on se rend compte d'une grande différence. En tout cas, ce Freezer Revive a l'air vraiment très intéressant au niveau des stats. Alors, c'est un perso Blast, d'accord, type énergie. Une fois qu'il est Revive, regardez les stats, elle passe directement à 233 000 au niveau des Blasts. Ce qui est correct hein, pour un perso à 3 étoiles. Je rappelle, il est 3 étoiles. Ce qui va être vraiment intéressant également, c'est sa carte verte. Voilà, la carte unique, ça régène le ki de 30 et lorsque ça touche l'adversaire, ça tire une carte d'art d'énergie au tour suivant. Normal parce que c'est un perso blast et ça réduit de 5 le coût des arts d'énergie pendant 15 secondes. Donc comme ça, au niveau de ton ki, ça va être un peu mieux. Tu vas pouvoir économiser 5 de ki à chaque carte d'art d'énergie. Voilà, je vais y arriver. Augmente de 3 secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Et après tu peux combo avec Strike, Blast, une spé, etc. Au niveau du main, après le revive, ça tire une carte d'art spéciale au tour suivant et ça régène le ki de 50 et ça réduit de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés et ça fait perdre 2 Dragon Ball à l'adversaire. Donc ça pour le Rising Rush, c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je voulais vous montrer sa cape principale. Voilà, après le revive, c'est vraiment très fort, retirer 2 Dragon Ball à l'adversaire. Ensuite, le passif numéro 2, il est intéressant parce qu'une fois entré en scène, tu régènes le ki de 20, tu augmentes de 20% les dégâts d'énergie, mais surtout, lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'appliquent aux alliés. Donc, ton Freezer, il est sur le terrain, tu décides de switcher de personnage, et bien du coup, tu vas régènes le ki de 20 et augmenter de 20% les dégâts pendant 15 secondes. De plus, ça régène de 5% la force des classes armées de Freezer ou classe généalogie maléfique, donc les LOE. Donc là, voilà, moi je pars avec une team LOE. À chaque fois que tu vas te replier, tu vas gagner 5% de force, donc 2 points de vie. Donc c'est vraiment très intéressant dans la team. Voilà, je l'ai mis avec le Freezer LF type jaune à 9 étoiles. Je pense que c'est un monstre. Également, le Freezer LF type violet à 8 étoiles. Le Freezer free to play. Child qui est Zenkai 6 pour l'instant et j'ai mis le couleur voilà Zenkai 7 parce que comme ça au moins le Freezer Revive va bénéficier de la cape Z Zenkai de ce couleur. Les amis, on est parti en PVP, max de pouces bleus et surtout c'est la première fois, j'ai dit bien la première fois en quasiment 4 ans de jeu Dragon Ball Legends que je vais jouer une team LOE. Alors m'en voulez pas, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas on verra. Yeah. Très bien, on commence pour cette première game avec une grosse team en face hein, la purple, bon bah voilà, moi je vais prendre ces 3 là. Alors on retient quand même une chose hein. Mon Freezer il est 3 étoiles, d'accord les amis, donc voilà, le but de cette vidéo c'est vraiment de le tester à 3 étoiles et ensuite quand il sera à 6 étoiles je ferai la comparaison avec ce que j'ai testé. Mais là pour l'instant vous voyez hein, on va se taper contre voilà de la purple, le tag, le végéto Zenkai, voilà tu vois ce que je veux dire, c'est pas des petits persos, tu vois. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas j'ai hâte de voir un petit peu les dégâts, mais également du Freezer LF type jaune. Parce que le Freezer Full Power LF type jaune, je pense que dans cette game, il peut être vraiment très intéressant. Allez. Ok. Ok. Bon, bah là, d'accord, très bien. Je me suis pris une spé. Ok, bon, bah ça a été radical. Hein. Voilà, c'est... il a pris une spé, c'est quasiment fait one shot. Bon, il a le revive maintenant, le Freezer. Ok, voilà, la défense, c'est pas ouf. Hein. Bon, par contre, là, Freezer LF, intéressant, l'aspect... Ouais, voilà, Freezer LF, par contre, ah, bah, là, oui, à contre-type, là, ça a fait plaisir. Par contre, bon, il m'a bien amoché le Freezer Revive. Hein. Le tag m'a vraiment bien amoché le Freezer Revive. Hop, petite cover, voilà, ça, c'est intéressant. Ish.
Voilà. Petite torpeur. Avec la verte hein, qui passe bien. De Freezer LF. Il y a des petits lags. Hein. Il y a des petits lags. Mais bon, ça va le faire quand même. Ok. Parfait ça. Ish. Voilà. Parfait. Ok, moins 1. Donc là, c'est intéressant. Là, ce que le Freezer LF jaune vient de faire, c'est vraiment intéressant. Ok. Ok. Ah, je pensais qu'il allait faire une strike. 1 900 000. Je sais pas si le one shot. On va voir. Hein. On va voir. Bon, bah, s'il l'a one shot. Putain, il m'a fait quasiment 2 millions de dégâts. Bah, 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 bah. Ok. Oh, hey, Freezer Revive. À 3 étoiles. Hein. Vous avez vu les dégâts? À 3 étoiles. Ok. Oh, mais incroyable. Non, là, incroyable là, ce qu'on vient de voir là. Là, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. Je suis choqué. Par contre, là, je suis en train de me faire démonter. Je suis en train de me faire démonter. Ok. Freezer Revive, on compte sur toi. Alors, ça, c'est bien. Oh, mais regardez les dégâts. Oh, lolo. Oh, lolo. Va falloir feinter, hein. Va falloir feinter, hein. Allez, on feinte. Ok. Allez, on feinte. Ok. Ish. Let's go. Pom, 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 pom. Ce qu'on vient de faire, les amis, avec ce Freezer Revive. Non, mais incroyable. On avait vraiment très mal commencé la game, on s'était rendu compte que voilà, en termes de défense, c'était pas oufissime, voilà, seulement 3 étoiles, il s'était pris une spé et tout ça d'entrée de jeu, ça a fait vraiment très mal, par contre là, à la fin, mais incroyable, à 3 étoiles seulement, face au tag, face au Vegito Zenkai. Exceptionnel. Ok, deuxième game. Bon, bah encore de la purple, hein, ça change pas. Du coup, moi, je vais prendre les mêmes, hein, et puis on verra bien. Alors, je suis juste un poil déçu, là. Voilà, c'est sur le Freezer LF type violet. Le jaune, il est bien. Par contre, le violet... Bon, après, peut-être parce que je l'ai 8 étoiles. Peut-être à 9 au niveau des stats, ça serait mieux. Mais je le trouve un poil fébrile. Alors, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis pas un grand spécialiste de la team LOE. Comme je vous ai dit, c'est la première fois, voilà, entre guillemets, que je joue LOE. Parce qu'à l'époque, j'avais pas vraiment les étoiles adéquates pour cette team, pour être compétitif en PVP. Mais voilà, je sais pas, je le trouve un poil fébrile. Donc, voilà, on verra bien. En tout cas, il avait 2 millions de points de vie. Bon, tout à l'heure, on a vu ce que ça a donné. Hein. Il s'est fait one-shot par l'ultime de Vegito Zenkai. Bon, après, c'est Vegito Zenkai, mais bon. Allez, on est parti. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ok. Chaque fois que je veux rattaquer tout de suite, ça sert à rien. Et à chaque fois, et d'entrée de jeu, je ramasse. Hein. D'entrée de jeu, je ramasse avec le Freezer LF. Enfin, le Freezer Revive, pardon. Ok, bagarre. J'ai un peu de chance. J'ai un peu de chance parce que j'ai été mauvais, mais il a été mauvais également. Ok, ouais, hey, par contre, Freezer LF jaune, ça fait vraiment mal. Hein. Ok, parfait ça. Ish. Ish. C'est pas mal ça. Ça, franchement, c'est pas mal là ce qu'on vient de faire. Très bien. Vous voyez, regardez, le Freezer LF, là, j'ai pris 3 attaques, je suis déjà aux 3 quarts de la vie, quoi. Je me fais malmener avec ce Freezer. Hop, du coup, voilà, le revive. Voilà. Il revient, Freezer. Oh non, allez. Ok. Ok. Donc là, attention à l'ultime. Ah, je me la supprime, celle-là, cette spé. Ok. Ok.
Ok. Vous voyez, franchement, je trouve que c'est vraiment fébrile. Là, je vais voir l'ultime, mais c'est fébrile les dégâts du Freezer élève violet. Bon, ça va, l'ultime, elle a quand même fait mal. Là, j'avoue, là, elle a fait mal. Mais c'est pas... Je trouve qu'il ramasse un peu trop. Il ramasse un peu trop. C'est peut-être le point faible de ma team pour l'instant. Ouais, tu vois, il est KO direct, hein, normal. Ok. Par contre, Freezer, LF, type jaune, c'est vraiment un délice. Hein. C'est vraiment un délice. Ok. Ish. Non, le Freezer Full Power LF, par contre, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. En termes de dégâts, tout ça, même au niveau de sa mécanique, hein, il est vraiment intéressant. Aïe, aïe, aïe. Ah, par contre, là, je ramasse. Ah ouais, là, je ramasse. Oh là 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 là, là ça fait des dégâts. Là ça fait des dégâts. Ok. Ok, 1v2. Il joue bien en face hein, quand même. J'ai toujours pas pu faire mon Rising Rush, hein. C'est incroyable. Ok, 1v1. Il a bien wesh, il a bien wesh. Il n'y a rien à dire, il a bien wesh. Là son petit truc gauche-droite... Bon, ok, bien joué à lui, bien joué à lui, rien à dire. Bon, bah, on a pu voir. Moi, franchement, ce qui me chagrine un petit peu, c'est le Freezer LF violet, voilà. Puis bon, bah, après, là, j'ai pas pu lancer mon Rising Rush de la game. Bon, bah, il fallait une défaite. Game suivante, et puis on verra bien ce que ça donnera. Ok, là, c'est encore une grosse team en face, hein, bien étoilée, avec du Zamasu, du Black et tout. Bon, je vais reprendre les trois mêmes, mais vous avez vu, là, 14 étoiles. Le Zamasu Black avec également le Trunks, ouais, bah, 9 étoiles, bon bah voilà. Hein. Et puis bah, le tag, bon bah là il a pris les persos du Legends Festival. Bon bah là va pas falloir bégayer les amis, j'ai envie de vous dire. Avec mon Freezer Revive 3 étoiles. Allez, ok, ça passe. Par contre, je le redis, les dégâts sont vraiment très intéressants à seulement 3 étoiles. Hein. Bon, par contre là. Son Trunks, il était combien? 9 étoiles? Ah, il tank, hein. Franchement, il tank. Hein. Franchement, il tank et il fait mal. Hein. Ok, mince. Je croyais que c'était une blast. Et en fait, c'était une spé. Ok, ça passe. Donc là aussi, ça va tanker. Hein. 14 étoiles. Le duo, son duo Zamas, Black Goku, Rosé, 14 étoiles. Voilà, hop. Ok, parfait. Ish. Et là, voilà. Parce que le but de cette vidéo, c'est quand même de voir les dégâts de ce Freezer. À seulement 3 étoiles et... C'est pas mal, quand même. C'est pas mal du tout, hein. Eh, franchement, les gars, c'est vraiment pas mal, hein. J'ai pas pu esquive. J'ai le seum. J'ai le seum. Ish. Petite cover. L'aspect... Par contre, Ok, let's go. Ish. Ish. Ok, c'est bon. Là, voilà, j'espère maintenant il va pas me contrer, mais je voulais absolument Rising Rush sur son duo. Parce qu'à 14 étoiles, ok, c'est bon, il contre pas, c'est parfait. Son duo à 14 étoiles, franchement, les gars, ce duo, il est infernal à faire tomber. C'est infernal à faire tomber. Mais là, ça y est, c'est bon, on s'en est débarrassé. Let's go. On danse, mais voilà. Ok. Ok, parfait. On fait l'ultime. Normalement, le Trunks, c'est cuisine, les amis. C'est cuisine. Et ça, c'est encore le Freezer LF Full Power qui a fait le taf. Hein. Il a fait le taf. Hein. Donc là, voilà, comme ça, je le force à esquive. Ok. Ok, parfait. Ish. Vous voyez? En termes de dégâts, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, le Freezer élève violet en termes de dégâts. Je pense, bien étoilé, il doit être intéressant. Mais là, c'est... Bon, par contre, l'ultime, par contre, j'avoue, l'ultime fait toujours aussi mal. Ok.
Ok, bim. Et bim. Et normalement, c'est le kill. Hein. Bah voilà, c'est le kill avec Freezer Revive. Franchement, je suis impressionné par les dégâts de Freezer Revive à seulement 3 étoiles. Il n'est pas encore 6 étoiles ou quoi. Et j'ai bien fait, voilà, bah vous voyez, hein, comme ça, je suis en train de débloquer les défis voilà, pour le monter à 6 étoiles. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à 6 étoiles. Bon, let's go, on refait encore une game, du coup, comme ça, on pourra peut-être passer au level 57. Ouh là là, Team SCJ en face. Bon, je vais reprendre les 3 mêmes, mais là, attention, Team SCJ avec du Gogeta à 10 étoiles, tout ça. Mon petit, là, faut pas bégayer, hein. Donc, bon, bah, voilà, le Badak, hein, pour les crits, et puis, bah, le Vegeto Zenkai, et le Gogeta Ultra, 10 étoiles. Là, va pas falloir bégayer des genoux, les amis. Là, faut vraiment se concentrer, hein. Allez, on va se concentrer. Ok. Petit esquive, voilà, parfait. Hop, ça passe. Les dégâts, c'est pas mal, hein. Les dégâts, c'est pas mal. Regardez, contrairement au Freezer LF violet, bah, je trouve que le Freezer Revive 3 étoiles fait plus de dégâts que mon Freezer LF à 8 étoiles. Alors que c'est un LF, hein, c'est fou. Hein. Ok, on est pas mal, là. Ok, on est pas mal du tout. Bon, par contre, lui, ce Freezer LF full power, impressionnant. Vraiment impressionnant. Franchement, il est impressionnant. Pff, il fait vraiment mal. J'ai pas assez attendu. Je voulais tempo son pas de côté, là, mais j'ai pas assez attendu. Ok. Ok, ça passe. Ish. Ish. On va remettre le full power, voilà. Bah, hey, franchement, c'est pas mal, là, ce qu'on est en train de faire. Ok, la verre qui traverse. Ok, ça passe. Ish. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, je vais rasing rush direct. Comme ça, ça fera moins 1. Voilà, on va mettre l'aspect. C'est pas mal là ce qu'on est en train de faire, je trouve, dans la game. Le Freezer Full Power LF, franchement, je suis scotché. Je suis vraiment scotché. C'est incroyable. Même le Revive. Hein. Franchement, c'est incroyable. Le Freezer Revive a seulement 3 étoiles. Hein. Ish. Bon, bah là c'est incroyable. Non, là, ce qu'on est en train de faire dans cette game, c'est la raclée. Bah voilà, c'est la raclée. C'était une raclée. On a vu que la team SCJ, là, face à la team LOE que j'ai faite, elle s'est fait déboîter. Hein. Donc là, voilà, on passe rang 57. Voilà, ça fait plaisir. Et du coup, je crois qu'on doit pas être loin du top 10K. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mais voilà, ouais, 10 224. Bon, on est quasiment top 10K avec la team LOE, avec un perso à seulement 3 étoiles. Alors que là, on a affronté quand même des teams super étoileux, dont la SCJ, là, qui était vraiment bien étoilée, là, tout à la fin. Voilà, je suis juste un poil déçu de ce Freezer LF type violet. Franchement, je trouve qu'il fait moins de dégâts que mon Freezer Revive 3 étoiles. Et vous savez quoi? Donc là, j'ai payé les 2000 cristaux pour le PZ à 6 étoiles, mais je pense même que je vais lui rajouter d'autres PZ que j'ai dans ma box pour essayer de le monter directement à 9 étoiles parce que je trouve que c'est un monstre. Voilà, clairement, ces deux-là, le Freezer LF type jaune full power accompagné du Freezer Revive, c'est un duo de choc, un duo incroyable. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et dites-moi vous aussi si vous avez eu l'opportunité de tester ce Freezer Revive. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!